Bonjour tout le monde, on est dimanche donc 3 décembre. On vient de se réveiller avec Maxence. Il est sur le canapé en train de regarder les dessins animés. Ouais, hier on est rentré, il devait être 5h du matin. Donc on a dit tout le monde dort, on ne se lève pas. On se lèvera quand on aura fini de bien dormir. Et donc il n'y a que moi et Maxence qui sommes debout. Papa, Andrea, Maurice sont toujours en train de dormir. Je ne vais pas les réveiller, je vais les laisser dormir. Nous, on va se prendre un petit déjeuner midi, comme j'appelle ça, depuis que je suis petite. Tout comme on va se faire des bonnes tartines. Puis tout ça, tous les deux en tête à tête. Alors, du jus de raisin, mon chaton, c'est ça? Oui. Tiens, mets-toi devant ton lien. Mets-toi devant ton lien. Amaury vient de se réveiller. Tu fais coucou à la caméra? On te oui? Non? Coucou! Il a bien dormi. Moi, je vais lui faire manger un petit bout quand même. Hein, parce qu'à cette heure-là, il doit crever de faim. Hein. T'as faim? Oui. Allez, on va aller prendre un petit déjeuner. Et c'est qui vient de se réveiller juste après Amaury? C'est la petite puce, hein? Bah oui. Bon, elle a bien dormi aussi, hein? Jusqu'à 14h30, j'aurais pas cru. Bon, bah là, maintenant, je vais lui donner son biberon. Peut-être des petits gâteaux aussi, et puis manger à mieux au niveau goûter, parce que là, 14h30, j'ai pas non plus lui donner trop à manger. Maman. Oui. Bisous à puce. Bisous à puce? Oui. Des bisous à la puce. Des bisous à la puce. Par le grand frère. Allez, hop. On va aller faire le biberon. Alors, vous voyez tout ce bazar sous l'escalier, les jeux, trotteurs, les petits camions des enfants. Il va falloir que je pousse tout ça dessous l'escalier parce qu'à cet emplacement-là, on va mettre le sapin de Noël. Donc, il faut tout ranger avant de pouvoir mettre le sapin. Thank you.
tout le monde, il est 5h05, on a fini de faire le sapin de Noël. Je vais m'atteler à faire la pâte à crêpes pour ce soir parce que traditionnellement dans ma famille on mange des crêpes le dimanche soir. Et puis j'ai continué avec la mienne, les enfants sont toujours contents de manger des crêpes le dimanche soir. Bonsoir tout le monde, il est 19h10, Andrea est en train de prendre son repas avec papa. Moi je viens de faire les crêpes pour tout le monde. Finalement le collègue de JB qui devait venir pour... Oula, ma sonnée dans le noir. Pour le ramener, pour l'emmener au boulot. Je suis toute floue. Pour l'emmener au boulot demain matin. Était bloqué à Poitiers parce qu'il n'y a pas de train à Paris, sûrement bloqué à cause de la neige. Et il vient seulement de repartir de Paris, il arrivera qu'à 22h quelque chose, donc il ne mange pas avec nous ce soir. Et il arrivera juste pour dormir et puis voilà. Donc finalement on n'a pas pris la voiture de prêt pour les 3 jours parce que c'était à Colmar qu'il fallait le chercher, c'était trop compliqué. Et comme finalement il y a un collègue qui peut emmener JB au travail lundi, et mercredi il prendra la voiture, notre deuxième voiture. Parce que mercredi, il n'y a pas école et avec les enfants, j'aurais pas besoin de les emmener, donc pas besoin de voiture. Donc voilà. Bonsoir, il est 23h à peu près, je vais me coucher. Le collègue de JB est arrivé il y a 10 minutes à peu près. Pour l'emmener au boulot demain matin. Donc c'est bon. Il a eu des problèmes à la gare, il a été bloqué vers Poitiers, parce qu'il pensait qu'il n'y aurait pas de train, mais finalement il a réussi à en avoir un, le dernier à Paris en direction de Remiremont, donc c'est parfait. Maintenant je vous dis bonne nuit, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Au revoir.